attendons Madame Tunku Azamia, conseillère politique de l'ambassade de Malaisie. Je salue aussi la présence de Monsieur Amnal Rahman, ministre représentant l'ambassadeur d'Indonésie. Caroline, passe la parole. Déjà, pourrais-je dire que ce type d'exposition est presque une tradition à Lens, puisque nous avons fait déjà une exposition sur les Kumbay, puis une autre sur les Mentawai, et maintenant sur Bornéo. Ceci grâce à Monsieur Didier Boussari, qui régulièrement nous a mis, soit lui-même nous a apporté ses connaissances et les objets, et nous a mis en contact avec les personnes compétentes. Donc cette exposition effectivement a été montée par le musée de Lens et puis par un trio, Monsieur Guerrero, Monsieur César et Monsieur Selato, qui ont été les chevilles ouvrières de l'exposition. Et puis, nous avons eu la participation généreuse de personnes et d'organismes. Par exemple, le Musée de l'Homme, Muséum National d'Histoire Naturelle, nous avons représenté par M. Poitier, M. Lionel Crozon, journaliste et écrivain, M. Philippe Fouchard, photographe. Vous ne serez pas sans remarquer la qualité de l'ensemble des photos. Nous avons aussi un autre photographe, M. Régis Cavigno, qui, grâce à qui nous avons de splendides photos. M. Patrick Hébrard, M. Bernard Lambert, M. Léo Legendre, Mme Bénédicte Martin, M. Jean-Jacques Rapine. L'ambassade d'Indonésie et la Société des études euro-asiatiques. Et nous sommes très très heureux de pouvoir accueillir Madame Tunku Azamia. Je vous présente Madame Nicole Lan, qui est le maire adjoint chargé de la culture de Lan. En quelques mots, peut-être cette exposition a été réalisé grâce à la participation de très très nombreuses personnes. Parlez-vous français? Et donc Madame Nicole Girard nous disait à quel point elle était heureuse de cette ouverture de la ville de Lens sur l'extérieur, sur d'autres pays, sur d'autres continents, et c'est quelque chose que nous essayons de faire régulièrement, aussi bien sur l'Asie en général, mais la ville le fait aussi beaucoup sur l'Afrique. Voilà, donc toute cette ouverture, elle est très importante, et qu'elle soit culturelle, ça me ravit. Monsieur Arizal Fendi, nous remercions beaucoup avec l'adjoint de maire, la région, Caroline, monsieur de la commission de Kaya, la Guerrero, madame et monsieur. Bien sûr, nous sommes très très heureux de venir ici parce que c'est une ville très très jolie. Pour moi, c'est la première fois de venir ici. Et aussi, Kalimantan. Se partage avec la Malaisie, avec Brunei Darussalam et Indonésie. En Indonésie, il y a 5 provinces, Ngaju, Kutai, etc. Avec leur civilisation, avec leur culture, c'est magnifique. Qui s'est intégré avec l'environnement, avec les forêts, avec les conditions naturelles. Bon, encore, remercie beaucoup de votre invitation. Merci. Good evening. On behalf of my ambassador, Datuk Thanaraja Singham,
I would like to thank you for the invitation to the museum. We are indeed very honored for you to hold this museum, this exhibition, and my ambassador cannot come because he has some other arrangements. And we would like to thank you very, very much for this exhibition. And we are proud that such a town like Laon can host this kind of exhibition. Thank you very much. Je pense que M. Guerrero va nous faire le plaisir de présenter l'exposition. Avec plaisir, justement. Mais je dirais d'abord un mot, parce qu'une fois n'est pas coutume. Je remercie Mme Joran et toute son équipe, c'est-à-dire mesdames Isabelle, Michel, Mélanie, et j'en oublie sûrement. Toutes celles qui ont aidé à la réalisation de ce projet depuis quand même assez longtemps, puisque vous vous rappelez qu'il y a eu près d'un an d'incubation avant que le projet se réalise, et c'était un travail qui s'est fait petit à petit. Et sans le soutien du musée de Laon, cette exposition n'aurait pas la qualité. Il y a eu un investissement au niveau du musée qui est tout à fait remarquable. Et ceci dit, l'exposition elle-même, bien que de taille modeste, a essayé de présenter les différentes facettes de l'île de Bornéo. Justement, ce que disait M. Amnar, division de l'île et la complexité entre la Malaisie, Brunei, l'Indonésie. Donc cette exposition aura peut-être le mérite de donner une image un peu plus concrète, et enfin, comme point de départ, c'est déjà très intéressant. Donc le deuxième thème, c'est la vie des populations d'Ayak et Punahou dans la forêt, et avec les différents éléments naturels également, comment les objets sont fabriqués. Alors là, on a plusieurs thèmes qui présentent l'agriculture, la chasse, la pêche, la vie du village, l'habitat, les fameuses longues maisons, les rites et les cérémonies. Donc c'est un peu tout l'éventail de la vie de Punan et d'Ayak qui est présenté de manière succincte, bien sûr. Je vous remercie. On a une évocation quand même de la cartographie de Bornéo et de l'évolution, puisque si vous prenez la brochure, vous avez une cartographie récente et actuelle de l'île. Hein, et on voit le chemin parcouru depuis cette carte. Et bon, c'est une géographie très fantastique, très fantaisiste. Au 17e, 16e, 17e, 18e. Merci. Natural history. Yes. We have a very history of Sarawak, yes. So, and the history of Borneo. You are from Borneo. Yes. Today. No, no. I don't have my card. Well. Thank you.